Alors, bonjour, je m'appelle Joanna Clark. Je suis la présidente de la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes pour la Nouvelle Écosse. Je suis diplômée de l'Université Sainte-Anne et j'ai commencé ce poste en mai. En tant que présidente, c'est ma responsabilité de communiquer avec nos membres afin de développer des stratégies, d'approcher le gouvernement avec nos demandes, tout en essayant d'avoir des meilleures pratiques et politiques en place sur nos campus et, en général, pour toutes les institutions dans la province. Nous sommes une organisation nationale qui représente plus de 500 000 étudiants. On croit qu'ensemble, nous avons la capacité de changer l'état des institutions d'éducation postsecondaire. Nous reconnaissons que cela n'est pas une tâche facile, mais en utilisant nos forces et en travaillant ensemble, nous aurons du succès. C'est en travaillant ensemble qu'on amplifie nos voix et nos demandes et que le gouvernement nous entende. Présentement et historiquement, l'enjeu le plus important pour les étudiants postsecondaires est la dette étudiante, qui rend l'éducation inaccessible. En moyenne, les étudiants terminent leurs études avec 26 000 en dette. Et pire, 30 13 de ces personnes font des défauts sur leurs prêts. Chaque année, le gouvernement annule des millions de dollars de dettes. De plus, le gouvernement, le programme d'aide au remboursement dit qu'après 15 ans ou 10 ans pour les emprunteurs avec les incapacités permanentes, annule les paiements. La question ici est pourquoi pas offrir cette aide au début? La dette étudiante a un impact négatif sur la vie des diplômés pour des années surtout les personnes racialisées et marginalisées dans notre société. Souvent, les bourses et autres programmes ne sont pas accessibles et cela a un effet négatif sur ces personnes. À la fin de la journée, la décision de ne pas offrir du financement adéquat aux institutions postsecondaires empêche les diplômés d'avancer dans leur vie après avoir étudié pendant des années. Les jeunes adultes sont... Accablés par la dette et ne peuvent pas acheter des maisons, des autos et, dans certains cas, les vraies nécessités de la vie. La volonté de vouloir accomplir ses rêves et d'améliorer nos vies ne devrait pas être punie. Il faut vraiment considérer les impacts à long terme de la COVID. Et On sait que les jeunes ne veulent pas débuter leurs études quand le monde est dans un état d'urgence. Il nous faut des étudiants dans plusieurs secteurs si nous voulons un futur après le Covid. On sait qu'il nous faut des infirmières, des chercheurs, des statisticiens et des enseignants. Alors il, faut prendre, il, il ne faut pas prendre des décisions qui vont empêcher une juste reprise. À la fin de la journée, il faut qu'on élimine ou réduire la dette étudiante. On sait que cela est une grande barrière aux étudiants. On suggère qu'on élabore une stratégie nationale pour créer une éducation financée par l'État grâce à une répartition des coûts 50-50 avec les provinces. Il faut également considérer les étudiants internationaux dans ceci car on a souvent des étudiants qui viennent pour étudier et on ne veut pas exclure ces étudiants et leur contribution à notre société. Il faut trouver des façons de les aider. Avec un système accéléré euh, pour les étudiants internationaux. À la fin de la journée, il faut que nous nous rappelions que ces suggestions sont possibles. Il y existe de l'argent pour ces suggestions. Il faut simplement que le gouvernement priorise leurs dépenses. À la fin de la journée, les, les budgets démontrent les, les priorités et les étudiants méritent d'en faire une priorité dans ces cas.